Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de DayZ avec Vibe Nico. Comment Eh ça oui, va Vibe? ça va très bien et toi mon cher? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, le dernier épisode, on a fait donc une petite virée sur l'airfield principal. Aujourd'hui, on va réenchaîner vu que bon, on a fait un petit peu de chemin entre temps, mais bon, pas intéressant vu que il s'est pas passé grand chose, mis à part un petit passage que vous aurez dans les bonus à la fin. Aujourd'hui on va aller tout simplement à Starisobor pour visiter un petit peu la ville. Puis Vibe va peut-être se trouver autre chose que son M107, je pense. Parce que, Exactement. Je vais simplement, expliquer pendant qu'on va bon. marcher le petit problème que j'ai eu. Ouais, mais je sais pas comment tu fais pour pas être satisfait d'une arme pareille, mais bon. Bref. On va y aller directement, on est juste à côté là, on est à 700 mètres, j'ai déjà mis le point sur la carte. Donc, bon. Ce qu'il faut savoir déjà, on va y aller je pense doucement, parce que là on est ouais, on est assez quand même sur le serveur, on doit être une vingtaine, trentaine par là. Donc risque peut-être y avoir des gens. Risque peut-être y avoir du gunfight. J'espère pour vous. Ouais. J'espère pas pour nous, mais pour vous au moins ça vous fera un peu d'action. Mais Exactement. enfin bon. Bon, moi j'ai plus de toute ouais, façon c'est... mon arme de corps à corps, donc je suis obligé de sniper. On voulait vous dire aussi le petit truc, c'est qu'on a changé de serveur, donc là vous pouvez voir que je vois écrit Mustang à 16 mètres devant moi. Donc c'est ce qu'on vous expliquait la dernière vidéo qu'on n'avait pas. Donc maintenant on a ça. Et on a aussi on voit la distance du terrain, on verra ça plus tard quoi. Et aussi on peut normalement je peux voir Mustang sur la carte. Enfin, je vous montrerai ça dès qu'on arrive. Et voilà comment j'ai perdu mon arme. Enfin, juste expliquer ça, c'est que quand vous avez l'inventaire qui est trop plein et que vous prenez l'arme de votre inventaire et non, quand vous avez votre sac trop plein en fait, vous prenez l'arme de votre inventaire et vous la déplacez dans votre sac. Si votre sac ne contient pas les cases pour l'inventaire en fait, pour votre arme plutôt, vous perdez directement votre arme. Donc faites le contraire. Mmh. Déplacez déjà c'est l'arme pour du ça sac que... dans l'inventaire et pas l'inventaire voilà. dans le sac. C'est le petit trick à faire. Juste rapidement, je monte sur la carte, vous voyez, là j'apparais moi sur le... comment s'appelle la carte. Si on n'était pas autant collé, on verrait deux points bleus comme ça, et comme je vous expliquais la dernière fois, les points orange, c'est les hommes, comme bah, on dit, j'en c'est vois quand on n'a pas justement identifié derrière. Le signe. Il y en a juste mais derrière nous. Tom bah, sur la carte, moi je vois un homme derrière. Moi je l'ai pas sur la carte, bizarrement. C'est pas mon... J'en vois même deux. C'est peut-être ouais, une mais ça dernière doit être position. Les zombies, je pense. Non, c'est les dernières positions sont pas annoncées, elles sont annoncées que en jeu. Mais c'est que toi qui peux les voir, mais ça doit être les zombies qu'il y a là-bas. Parce qu'on était pas loin d'une tour de chasseurs, donc bon. Okay. C'est pas bien grave. On va pas s'aventurer en tout cas par ici parce que c'est assez découvert. On va directement aller au nord de Starisobor. Il y a un petit en plus, on peut se lever là. On va courir debout parce que. Okay. Direction là des petits trucs touffus, c'est assez à couvert au moins. Mais on va aller sur un petit bosquet. Sous bois, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais... ouais, juste au nord Mustang, de Starisobor. Je renomme pas tout, sous bois ça existe. Si je vais dire, pendant que j'y pense, si Lilou vous l'avez pas entendu dans l'épisode d'avant, en fait, c'est, je sais plus si on vous l'avait expliqué, c'est qu'elle s'était vu qu'il y a un mot de passe, ouais, c'était déconnecté, vu qu'il y a un mot de passe dans le salon où est-ce qu'on est, bah, elle a pas pu nous rejoindre et nous on était tellement à fond qu'on s'en est pas rendu compte. Non, voilà. Vous inquiétez pas, elle a pas décédé, elle est toujours vivante. Elle est là, c'est toujours derrière moi. Toujours. Ouais. Putain, tu te baisses, tu te pas croisé trop. Tu te relèves, je me rebêche, tu te baisses, je me relève. On est pas synchro quoi. Ah oh, ça va venir au fil du temps ça. T'es écrit sniper en plus. Ouais, mais ça c'est la guilie qui le fait. Ah ok. Parce que j'aurais pas la guilie, je pourrais être marqué genre fusillé. Enfin, avec cette arme-là, je sais pas si je serais marqué fusillé. Bon. On approche là de Starisobor. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il y a un camp militaire là. Vous pouvez c'est voir à mon écran. Non, pas le gros truc, c'est juste à côté, c'est des tentes. Qu'il y a des tentes kaki. Ah, je dois aller voir de ouais, là où t'es maintenant. Voilà. Cours pas en revanche, la mets-toi accroupi. Parce que ici, ça craint checker. Assez. Si ben justement je vous disais la dernière fois, enfin sur la dernière vidéo où j'avais chopé mon gros sac là, mon backpack, comment il s'appelle là, celui-ci, voilà.
C'était par ici justement, dans un gunfight avec des copains. On allait en direction de l'épicerie qui est un petit peu après, on ira justement vous la montrer ensuite. On s'est fait accrocher, donc Starry Sobor, pour ceux qui connaissent pas. Faites très attention, c'est une ville qui est tout aussi dangereuse, ou même voire plus que Tcherno ou Electro, vu qu'elle a sa proximité par rapport à l'airfield principal. Surtout que les gens, en fait, quand ils débutent, bah, ils sont dans les grandes villes, mais là, ceux qui ont un peu de stuff, ils vont plus sniper ici parce qu'ils savent que c'est déjà, t'as déjà un meilleur stuff quand t'arrives ici, quoi. Enfin, logiquement. J'ai un peu de chier aussi au bâtiment à gauche. Ne me colle pas trop justement parce que on a vite fait de se faire sniper. Ouais, regarde bah, peut-être quand tu seras en bas. Est-ce que tu vois où je suis ici? Ouais, je te vois, bah t'es en face de moi. Tu te mets à ma place à la limite et tu snipes de l'autre côté. Enfin là-bas vers où je vise. Que des fois peut y avoir des mecs. Okay, de toute façon je sais qu'à droite. Bon, c'est des corps le... ça oh. Ouais, il y a pas mal de corps. Je sais pas si t'as des artefacts toi. Non. Bon ça va parce que j'ai eu peur qu'on ait ce problème d'artefact encore. Vu que voilà, ces corps là dont je vous parlais la dernière fois qu'on a eu hier qui ont fait des bugs énormes. Et il y a un sac de joueurs là. Bah moi j'ai remplacé de toute façon, je suis passé à 3000 donc moi j'ai plus de problème d'artefact. Non, ça devrait aller. Moi j'avais pas réglé le problème justement mais. Si tu vois des munitions. Tu veux des munitions de quoi? De Stanag Steel 36. Ok, mais j'ai l'impression que le camp a été un peu visité. Il y a un zombie dans une tente, là je préfère pas y aller. J'ai l'impression que le camp a été visité parce qu'il reste des loots, mais pas super super comme loot. Ah tiens, chargeur de 1911 là, enfin. Et t'as dit que t'avais un corps de joueur? Non, un sac. Enfin c'est petit sac, ça peut être un loot, c'est les sacs du début, ça peut être un loot comme on en trouve des fois dans les tours de chasseurs, mais en général, bon. Si on voit un sac comme ça, vaut mieux que se dire si c'est pas dans une tour de chasseur, en tout cas que c'est plus un joueur qui est passé par là. Là vous voyez, il y a toutes les tentes qui sont complètement vides, c'est pas normal. Normalement, elles doivent être pleines, ils doivent rester des trucs dedans. Là voilà, ce qui reste, bah, une canne de pasta, ça se voit pas souvent hein, en général dans les camps militaires. Plus des loot, plus trouver des armes, on va plus trouver des. Tiens. J'ai peut-être munitions. Un chargeur de Stanag là pour toi. Ouais. Des munitions, ouais. Ah, Stanag 30 coups. J'ai plus l'arme de toute façon, mais bon, ça servira pour plus tard. J'ai la place maintenant. Et là, il y a un deuxième sac. Bon, je comprends pas bien. Ah, il y a une M4A1 là si tu veux. Ouais, je vais prendre ça. Tu veux que je la prenne ou je sais pas si. Ok, alors c'est une des dernières tentes. Tout au bout, c'est derrière les grandes tentes. C'est quoi qu'en face de moi là? C'est qui ça? Ouais, va Nico. Attends, c'est quoi ce non, non, il y a un zombie. Il y a un zombie. Ouais, ouais, et c'est normal. Il est mort derrière. C'est normal, il y en a aussi un par ici. Viens là. Juste dans celle-là, t'as le le M4 avec deux chargeurs. Et dans la tente d'en face, là, t'as un monkey. Il y a un chargeur de Stanag aussi. Ouais. Donc, si t'as envie de te le prendre, vas-y. Moi, je vais regarder le reste. Ah, bah tiens. Bande de M240, encore, c'est la deuxième fois qu'on tombe dessus. Je sais pas s'ils ont fait un changement au niveau des loots, ça aussi c'est un truc à vérifier peut-être. Mais bon, c'est bizarre quoi. La première vidéo on tombe sur deux bandes de M249. La seconde vidéo on tombe sur une bande de M240. C'est verré, c'est des loots en général, c'est super rare. Et là, on tombe dessus. Ah, je sais pas. Sortir le 1911 au cas où. Entendu quelque chose. Ah, c'était dans la tente d'en face où il y avait le truc. C'est peut-être le monkey ouais qui gueule. Ouais, parce qu'en fait en plus il m'attend dans la tente quoi. Non mais tu peux prendre le stuff. Tu t'avances pas trop hein. Juste mais. Et il bouge pas, il est bugué ou quoi? Attends. Ouais. Allô. Non, il bouge pas, ouais. Excuse-moi, je me suis tapé par un zombie en même temps. C'est bon, moi je suis refait. Bon bah viens, on va pas s'attarder parce que visiblement il n'y a pas grand chose. Prends peut-être ton pistolet toi à la main, moi je prends ma mitrailleuse, comme ça si jamais on nous attaque, je peux défourailler bien et t'as le temps de prendre ton autre arme. Okay. On va prendre. Maintenant on va aller à l'épicerie. On va prendre bien la tangente en revanche. Parce que
pas envie d'aggro un zombie. Bah voilà, quand je dis ça, bon. Il y a un zombie qui t'a aggro, je crois. Je sais pas si c'est moi ou toi. C'est toi. De toute façon, à côté. Ouais, c'est bon. Lutte-le parce que. Ouais, tant le temps que je m'arrête, là, il y en a trop là en vrai. On va aggro tous les autres si on tire. De toute façon, il nous aggro quand même. Bon, mais. Si tu veux, on court directement. On court, on verra là-bas sur place combien il nous reste. Bien, allez. J'espère juste qu'il n'y a pas de joueurs. Voilà, ne faites jamais ce qu'on fait. Ouais, mais normalement, c'est un sniper. Ouais, mais c'est un sniper, il nous, au moins comme ça, il peut pas nous tirer dessus. Quoi. Parce que tirer sur quelqu'un en courant, c'est. Ouais, mais bon. Ah, ça allait où, l'épicerie ? C'est plus facile. Quoi. Ouais, là-bas. Ah, il y a l'église aussi. Non, elle n'est pas visitable, celle-ci, je crois. Quoique. Il y a souvent de la bouffe dans l'église. Hein. Je vais vérifier, mais j'ai un doute maintenant. Ok. Non, on peut pas. On peut pas. Ouais, c'est celle-là, je crois, l'épicerie de Lissy, que j'avais pété la voiture en vidéo. Ah bon ? Pas toujours pop, ouais. Je crois que c'est Lissy. Bah, c'était avec cette arme-là. Il faut pas me laisser une M107 dans l'épicerie. Hein. Ouais, en revanche, viens à l'entrée là avec moi. Ça va pas pop ? Non, ça va pop. Ah. Vas-y, je le fais. Voilà, petit fail en direct, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vois un coca. C'est moi ou t'as plus d'armes de chargeur? J'ai pris un G17. Pourquoi j'ai plus d'armes? De chargeur. Merde, putain. De chargeur de M107? Oui. Non, je n'ai plus, je t'avais passé les deux. J'ai fait un gros fail en revanche. On va faire une petite coupe dans la vidéo et on reprend directement les amis. Ok. Re les amis, désolé, un petit problème technique. Et c'est qui ramène un petit là, peu. Bref. Pour changer d'arme. Ouais. On est toujours dans l'épicerie de toute façon, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas bougé personnellement. Il y a rien qui a pop. Ouais, c'est bizarre que ça pop. Hein. C'est bizarre parce que. Soit ça a été pris au quelques secondes, soit. Non, bah s'il y aurait au moins. Attends, laisse-moi passer s'il te plaît. Sinon. Non, mais il y aurait au moins des canettes vides. S'il y a toujours ça. Bah sinon on ressort quelques secondes. Mais peut-être non, mais... non, mais je sais pas. C'est pas ça qui ferait. Enfin, peut-être. Écoute, une fois que ce qui est, ça nous est arrivé pareil. Quoi. On a dû attendre que ça pop. Mais... Ça ne peut pas popper quoi. Donnez-nous à manger quoi. On veut à manger. Attends, il y a un monkey de l'autre côté là. Ah, ouais. Ah ça manque, le silencieux. Quoi. Ouais, bah c'est bizarre. Écoutez, là, c'est la première fois qu'on a ce truc là. Je sais pas si peut-être dites-nous dans les commentaires si on a fait un truc de mal ou qu'il y a peut-être un nouveau bug, mais la première fois que je rentre dans une épicerie et que rien ne pop, même en attendant, les seules fois où ça a popé pas, et on devait attendre un petit moment, c'est quand on arrivait en véhicule. Ouais, et que même les zombies n'avaient pas le temps de popper quoi, autour là quand même. C'est bon, il y a des zombies. Lag, hein, je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas de comment s'appelle le chêne là, donc. Écoute, viens, on va sortir, on va s'éloigner de la ville parce que. T'es passé à l'église au fait, elle est vide. Enfin non visitable. On peut pas l'ouvrir. Okay. On peut pas l'ouvrir. Vas-y, je t'attends à l'arrière. C'est quand même bizarre cette histoire. Ouais, un petit peu. Il aurait bien pris 2-3 canettes de nourriture quand même. J'en ai sur moi si t'as besoin. Non, de l'autre côté. Ok. Et bah, ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis là devant toi. Oh, il y a eu un bug, t'as popé devant moi. Oups. Attends. Ah non, l'épice qu'on l'abandonne quoi. Ouais. Bol avec les zombies en ce moment, même si j'ai pas de bol avec les loups. On fait cache-cache avec le zombie, il nous a pas vu. Il y a un autre à visiter à Starry ? Intéressant. Non, d'intéressant, il y a pas grand chose après. C'est suffisant. Enfin, il y a. Comment ça s'appelle des réservoirs de carburant. Ouais, mais on a pas de. Des réservoirs de carburant, donc. Non. Dans cette ville ? Il y a 3 pop de véhicules, il y a une Jeep au camp, un bus, et une moto, je crois. En tout cas la Jeep on l'a pas vu. Je suis pas sûr mais bon non mais de toute façon les serveurs sauf s'ils sont reboot dès le début
c'est rare de trouver directement quelque chose, quoi. C'est vrai que c'est un peu plus caché dans dans les forêts, souvent. Ouais. Sauf si quelqu'un se fait exploser son véhicule, quoi. Il repop. Et encore, je crois que le repop, ça dépend des admins. Ah. Je suis pas sûr, hein, mais... fonction des serveurs. Peut-être c'est juste les serveurs à base de données. Ah bon? Ouais, ça... Des mouches ou une mouche? Ah, je sais pas, une mouche ou deux mouches, quoi. Peut-être c'était un corps qui était caché. Parce que quand c'est tranquille comme ça, c'est trop tranquille. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'aime pas trop, moi aussi, on va vite se casser. Parce que vous croyez pas, mais c'est tellement facile de se prendre une balle de sniper sans s'en rendre compte. Non, ah putain. Pour la petite anecdote, moi la dernière fois j'étais à l'autre bout de la map, j'étais vers le nord de la map et je devais rejoindre des potes qui eux étaient complètement au sud. Je devais passer par Starry obligatoirement. Je suis passé, j'ai dit je vous préviens, si j'entends le moindre coup de sniper par là, j'étais surstuffé, j'avais tout ce dont ils avaient besoin en plus sur moi. Si jamais j'en entends un, je déco. Je suis passé juste à côté de Starry, ça a pas manqué. J'ai entendu des coups de M107 dans ma direction. J'aime pas trop jouer comme ça, mais bon. Là, c'était pour le groupe. La survie avant tout. Non, non, c'était pour le groupe. Hein. Ouais, c'était enfin, pour le bon, groupe. Bref. C'est ce qu'on dit, ça. Vous avez pas dit, il y a une team aussi sur le serveur. Ouais. Okay. Mais toi, peut-être allongé dans un coin le temps que je regarde la map. Parce que là, du coup, pourrait peut-être aller à Zeleno. Je sais pas. Ou non, à la limite, si à la. Comment ça s'appelle, Green Mountain, j'y suis jamais allé moi personnellement. Il me semble que j'y suis passé. Et je sais qu'il peut y avoir des trucs intéressants des fois. Et vous pouvez voir aussi sur la vidéo, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, par exemple, je regarde la petite maison, je fais molette. Et ça me dit, la maison est à 180 mètres. Donc, par exemple, ouais. Si vous êtes un sniper, vous mettez après avec la flèche page down et page up votre mise à niveau qui est en haut à droite et vous la mettez à 180 mètres, un truc comme ça. Ça permet que la balle aille tout droit. Parce que si c'est plus petit, ça, la balle elle descend et si c'est plus haut, la balle elle monte. Mm. C'est tout un art, quoi. C'est l'art de la guerre. Le sniping, c'est bon, faut le rappeler, hein, c'est un jeu de simulation, quoi. C'est pas un jeu. Pas un Call of Duty, quoi. C'est pas, t'arrêtes, tu sens le viseur, le gars il est à 800 mètres, tu lui mets une balle et c'est direct. Mmh. Ouais. Encore, ça dépend les modèles. Mmh. Mais bon, on est loin des Call of Duty et des Battlefield, même si bon, Call of Duty, j'ai été un bon fan pendant pas mal de temps. Moi j'aime bien. Même si bon, on se détend. Moi j'étais déçu sur les derniers, ça m'a un petit peu gonflé, surtout sur le mode multi, j'arrive à rejoindre aucune partie donc. Mais bon, le Battlefield 3 aussi, j'adore, j'y joue en ce moment comme un porc quasiment. Enfin, je m'éclate dessus dès que je peux. Mais ça reste de l'arcade. On peut dire ce qu'on veut. Oui, mais l'arcade c'est quand même bien des fois si t'as pas beaucoup de temps, t'as une demi-heure, t'as pas envie de passer une demi-heure à. Je suis tout à fait d'accord, mais tu fais une partie. Faut comprendre quand même que Call of Duty Battlefield, même si c'est deux jeux différents, ça reste la même, c'est du jeu d'arcade. Là on est sur un jeu. On est sur un jeu où c'est de la simulation, quoi. C'est vraiment. Moi j'ai eu peur. C'est plus la patience. Tour de chasseur en plein milieu. Ouais, c'est ça. Faut pas croire que vous allez arriver sur le jeu directement et que vous allez faire 10 kills, quoi. C'est loin de là. Vous avez qu'à regarder mon score, j'ai un meurtre et c'était la légitime défense. Donc même des fois il vaut mieux éviter de tirer sur le joueur pour éviter de se faire buter à son tour que de vouloir jouer au kéké, quoi. Je sais pas s'il peut y avoir des trucs intéressants là-dedans. T'as pris la M4 au fait du coup? Ouais. Ok. Je veux peut-être qu'on aille vérifier, je vois des loots là. Je vais y aller moi. Tu vois des loots? Dans la cabane. Ouais. Ouais. Okay, je sais pas ce que c'est. Je te protège. Ah, des bandages, une AK. T'as besoin de bandages? Ouais, ça peut toujours servir les bandages. De toute façon, il y a toujours de la place pour les bandages dans l'inventaire. Ouais, bah moi je vais prendre. Un truc séparé. Je te les donnerai. Ok.
fait. T'en as combien de bandages, toi? Je vais vérifier. Des bandages, j'en ai 3. Mais bon, j'ai pas de balles pour mon truc, donc j'ai de la place, quoi, en bandage. Allez, c'est parti, mon kiki, quoi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais te le mettre dans le sac. Je crois pas que j'ai de la place dans le sac. Oh, pour un bandage, au pire, bon, ok, t'as pas la place. Je suis toujours blindé. C'est pas grave. Je le largue par terre. Ah. Jette le bandage. J'ai... Attends. Minute. Déplace-toi. Ouais, c'est bon. Ouais, tu l'as repris, je crois. Non, j'ai repris un chargeur que j'ai fait tomber. C'est pas grave, ça a pas cessé les chargeurs. Moi, mais j'en ai que 2, moi. Ah bah attends. Ah bah en fait, j'ai mis dans ton sac, il est tombé là. Ouais. Non, on va le reprendre. C'est pas perdre mon arme dans mon sac. Non. Les sacs, ça peut être maudit comme ça, en fait. Ouais. Mais il y a des fois des bugs comme ça, je comprends pas bien, parce que... Autant des fois tu mets des trucs dans le sac et puis ça repop à côté, autant des fois ça les supprime, et les tentes c'est exactement pareil. Les tentes au bout d'un moment quand c'est plein, c'est la ça te fait popper les objets à côté. C'est la quatch. C'est la quatch. Bon, vas-y, on va courir debout maintenant parce que... Exactement. De toute façon, bon, je pense qu'on va... On va zapper ce passage là où on court. Hein. Ouais, moi je vais être en accéléré, quoi. Comme ça, ça va accélérer. Avec une petite musique, le tin, tin. Moi, je vais couper là, je pense. Je coupe là, je reprends après. Green Mountain. 500 mètres, vous voyez. Ça, c'est le grand tour. Le grand zizi géant qui a. Ouais, j'ai jamais compris ce que c'était. C'était une antenne radio. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, on dirait, en plus c'est... Un phare, on dirait un phare. C'est fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça c'est fait comme un phare. C'est... Mais ce n'est pas un phare. C'est pour les extraterrestres, c'est la zone 51. Mmh. La zone 51 de la Russie, tu sais. J'aimerais bien, en revanche, trouver un véhicule là-bas, parce que c'est une zone de pop de véhicules, justement. Je crois qu'on peut choper... là, je crois qu'on peut choper un Land Rover, c'est la plus grosse Jeep du jeu. Ça peut être et sympa, après... Ça. Une petite Jeep, mais j'ai enfin essayé la moto aussi, qui est super fun. Ouais, grâce à c'est sympa, mais en tant que passager arrière, c'est la gerbe. Perso, je l'ai fait qu'une seule fois, après j'ai dit c'est bon, deux roues c'est pas pour moi, même le quad. Hein. Oh, artefact là, moi j'ai toujours pas. J'espère aussi que c'est un truc, une aparté, mais que dans la prochaine, enfin dans la mise, quand ils vont faire le standalone, j'espère aussi qu'ils vont permettre à ceux qui ont déjà le jeu d'avoir les mêmes possibilités que le standalone, ça serait cool. Décidément, pas de bol avec les artefacts. Mais je pense pas qu'ils vont le faire parce que ils vont perdre de l'argent tout simplement. Mais avec la possibilité que j'ai vu ça, que de changer d'île. Ça peut annoncer des gameplays farming. Toi t'es dans quelle île? Moi je suis dans l'île à droite tout au sud. Moi je suis en Antarctique, quoi. Là, il devrait faire avec des biomes différents. Bon, c'est impossible à jouer là pour moi. Ça? Ah, je les ai plus du tout, moi, les artefacts. Alors, chacun son tour. Ouais. J'ai regardé s'il y a du loot, t'inquiète pas. J'ai mais si on se fait attaquer, je peux pas te couvrir. Attends, je vais voir vite fait, de toute façon il y a quoi? La Jeep elle est où, en haut du chemin? Ouais, proche de la tour. C'est toi qui tire? Non. Non. Vas-y, on se barre. Chut, t'es où? Non, il nous a pas vu. Chut. Il a une grosse arme, le gars. Il tient encore, ouais. Il nous a pas vu. Regarde t'es la où, carte. Attends, je suis juste devant l'entrée dans la forêt. Ouais, homme, derrière, ouais. Il est derrière nous, devant nous. Je vois un homme derrière nous. Enfin, sur la carte, j'ai vu homme. Putain, il est entre nous deux. Chut.
Reviens vers moi. Regarde à ta gauche. Tout droit à ta gauche, quand tu regardes la carte. Il est juste devant nous, il bouge pas. Droit à ma gauche. Enfin, sur la carte, il est en face de nous et on voit la direction. Moi, je regarde à l'arrière, hein. Je suis pas devant, là. What the fuck, la carte, elle s'est mise à jour, il est juste devant moi. Attends, est-ce que je le vois? Bah, le fail. Il est juste devant moi, quoi. Putain, elle se met pas à jour automatiquement, il doit être dans le phare, là. Approche-toi doucement. Tire. C'est tire derrière. Ouais, il y a des zombies. Chut. Il est là, je le vois. Bandit Hunter. Putain, il est en train de descendre les trucs. Il a gros. Il tire au pistolet là, je crois. Ouais. J'ai l'impression qu'on est encerclé en fait là, parce que je vois du monde. Bah, là, il y avait écrit Bandit Hunter, genre chasseur. J'y vois que dalle avec les artefacts si je regarde vers la tour, non, je regarde à l'arrière. Hein. Bah là, il est devant la tour, juste devant moi. Je crois qu'il est pas tout seul. Hein. Il a de la munition en tout cas. Il tire à quoi? Il tire, je crois, au pistolet, il me semble, mais. Enfin, c'est, ça n'avait pas le bruit, c'est un pistolet. Revolver. Je connais pas. Je sais pas. Revolver. Peut-être revolver. Je connais pas cette arme. Putain, il est juste devant moi. Il doit être caché derrière là. Je bouge pas. J'ai regardé la carte vite fait. Vous voyez sur la carte, je vais vous montrer qu'on est les trois collés. Et le problème, c'est que s'il déplace son curseur vers moi, il va y avoir écrit joueur. Donc c'est un gros problème. Je recule tout doucement. Problème d'artefact, vraiment c'est chiant. Désolé, mais il est encore en train de tirer. Il a pas peur d'être repéré, quoi. Et Zeus a été tué. Tu peux la battre, hein, tu la bats. Ouais, le problème, faut que je me lève et que je cours vers lui, quoi. Parce que là, j'ai pas la M107. La M4, c'est une bonne portée, hein, quand même. Ouais. C'est une portée de 300 mètres. Donc, tu fais la roulette, en fait, tu regardes à combien de mètres il est. Tu n'as pas la remise à niveau avec le M4. Moi, je le vois, je crois. Bandit Hunter, 38 mètres. Il bouge pas. Je vais essayer de l'avoir. Mais vu qu'il y a écrit Hunter, elle est dans la tour, je crois. Vu qu'il y a écrit Hunter, c'est que ça doit être un faux furieux. Non, c'est ce qu'il y a écrit Bandit. Hunter, c'est son pseudo. Il y a écrit Bandit. Ah oui, il s'appelle Bandit. Il y a écrit Bandit. Il s'appelle Hunter. J'y vois rien quand je regarde vers la tour, c'est chiant. Putain, c'est gonflant ces bugs. C'est des bugs qui normalement ils nous ont corrigé, mais. J'aurais dû faire. Il est en haut, je crois. J'ai regardé avec les jumelles et je crois qu'il fait le tour, je sais pas si c'est lui. Ma radio. Il y a un troisième étage ou pas? Il doit être... Putain, il bouge tout le temps le gars. De la fusée au M107 s'il faut. Ouais, mais j'essaie de la regarder en fait et la tour il y a que deux portes. Et le gars il rentre dans les portes, il ressort, il rentre. Il est toujours en mouvement quoi. Et je vois plus dans mon truc. J'aurais dû faire le changement de fichier. On peut monter tout en haut ou pas de la tour? Je sais pas, mais je regarde là. Il y a l'endroit, je peux le regarder, ouais, mais si je regarde plus bas. Hunter, Hunter, 78 mètres. 78 mètres, tu peux la fuser au M4. Hein. Je le vois écrit, mais je vois pas où est-ce qu'il est en fait. Je vois en haut de la tour.
73 mètres en haut de la tour, mais je vois même pas que les jumelles. Il doit être derrière la tour en fait. Attends, je le vois là. Et dans la tour, non? Je tire. Oh, il est mort, il est mort. Oui, je l'ai eu. Mais il était où? Il était en bas. Comment ça en bas? Il était en bas, il est à l'arrière de la tour. Oh, j'ai eu un bandit. Oh, yes, en direct. Putain, t'es où, mec? Mais tu t'es déplacé, en fait, tu m'as pas dit. Bah oui, mais je me suis déplacé là où je pouvais. Ah, il était je de l'autre côté de la tour. 037 094 093. Vas-y. Emmène-toi. Je crois qu'il a ragé en plus, j'ai entendu. C'est moi qui tire. Ok. Le mec, t'es toi qui marche là. Ouais. Moi je cours. T'as combien? J'ai pas entendu. 0,94 à gauche, 0,37 en haut. Ah, oh, je suis content. Bon, il n'y a pas grand chose sur lui, hein. Il y a des sodas surtout d'intéressant. Il y a deux bandages sur lui. Ah oui, putain, je me disais bien en fait il était de l'autre côté de la tour, quoi. Je le voyais à travers la tour en fait. Ah, c'est possible. C'est pas que tu le voyais à travers la tour, c'est que tu voyais la dernière position. Bon, il y avait rien sur lui, hein. Mais il tirait à quoi là? Hein? Il tirait à quoi? Au Lionfield. Bon, en revanche, viens vers moi. Moi, je me barre de là sur, parce que... Je suis en 94, 37, là. C'est 36 que t'es? Non, c'était ça, je sais pas. Moi, je suis encore dans l'enclos, là. T'es derrière l'enclos? Je sais pas. T'es putain, où par rapport au phare? Attends, je bug et puis j'ai un zombie au cul. Par rapport au phare, je suis au sud-est. Je suis en 0,38 en haut, 0,94 à gauche. Je me fais courser. Et il commence à... Ah, t'as suivi le second plan, c'est zombie. Ah, je me souviens de cet artefact, j'avais eu le même dans l'autre version. En 1.7.4. Super, je me fais... Je me fais taper... Ah mais putain, il était loin. C'est lui ou pas? Ah oui, c'est lui. Moi j'ai vu un mec courir là, j'ai fait... Ouh. Ça, c'est pas Vibe. Vibe, il est plus touffu. Surtout que moi j'étais loin. J'étais super loin de toi. Ah bah. J'étais l'autre. Je suis content au moins. J'ai un kill cam. On se rejoint en bas du chemin ou... Je vais remettre mon GPS moi. Moi je suis le chemin, je descends. Bah attends, j'arrive sur le chemin. Attends, arrête-toi. Stop. Là derrière toi. Oh, oui, c'est bon. Là, tu me vois pas? Non. Bon, attends. Ah, et là, ah, tu ah, me oui, vois. Mais t'étais là, ouais. Voilà. Okay. Ah mais t'es pas. Je t'imaginais pas du tout là en fait. En revanche, attends, viens, on va se mettre sur le. Sur le côté. Je pensais que t'étais derrière moi. Mais en fait, tu t'as fait tout le temps là. On va dégager ce côté-là, proche de Zelenogorsk. Voilà, on va aller par là-bas et on peut courir debout parce qu'il y a trop d'artefacts par ici. Moi ça va, c'est que je les ai plus, je suis content. Ah mais t'as bien du bol parce que moi je sais même pas comment j'ai fait pour le tuer. Mais t'avais vu le premier, le premier que j'avais dans la première vidéo, il était quand même hardcore celui-là. Ouais, ouais, assez. C'est pas de... C'était pas aussi hardcore que le tien, mais c'est un petit peu dans le même style, j'y voyais rien du tout, quoi. Tu voyais pourquoi je cours en arrière? Ouais. Toujours derrière moi, là, ou... Ouais. Je suis en train de réfléchir, on va dans quelle ville, là? Zelenogorsk. On est loin de Zelenogorsk?
Non, on est à côté justement. Et sinon, je propose qu'on coupe là pour la fin de cet épisode et qu'on aille à CLE et qu'on se retrouve après à CLE. Enfin, on mette là pour le 4ème épisode. Donc, bah, écoute, on va s'arrêter ici. Ouais. Je me pose là. Il y a eu un peu d'action quand même. Donc, bon, ouais, décidément, on aura eu quand même. Ah, j'ai mon premier bandit tué, je suis content. Ça, c'est comment bien finir un épisode. Bon, bah, voyez au moins les dégâts de la MK48, bah, tu verras sur la vidéo. J'ai rafalé le pauvre, mais il était à 20 mètres de moi. Bon, tu verras ça en vidéo, quoi. Bon, bah, écoute, à plus les amis, et puis à plus Vibe, hein. Ouais. Puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Exactement. Ciao tout le monde. Je lance la caméra vite fait. Ah, ça me tire dessus. Waouh. Ok, je le vois, je crois. Je me casse. Putain de buisson de merde. C'est toi qui cours là-bas? C'est moi qui cours là vers vers le haut. Il était sur la route, hein. Ouais, je l'ai toujours sur les ans sur la route, sauf que je peux pas sniper où je suis. Il y a des putains de buissons devant moi, faut que je me mette accroupi, j'espère que j'ai pas un problème de balle. Ok, on peut pas mettre d'équipement dessus, en fait, c'est des conneries, c'est un bug. Ah, tu vois. Ça tire encore. C'est où la Vibe? Ok. Allez! Tu l'as eu? Quasiman a été tué! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez les gars en caméra, je vais en mettre une pour le délire. Hop là, celle-là elle rigole pas la route. Il est où? Il est en face. Pam! Route. Tout droit devant la route. Il est où? Tout droit. Je le vois. Regardez ça. Eh, deux balles, une balle M107, ça fait pouf! Dans la tête! T'as filmé? Ouais, j'ai filmé, j'ai refait la remise à niveau et tout, je suis en fou du snipe. Ah bah ça va dans les bonus là aussi. Ah mais le mec je l'ai vu, il m'a regardé. C'est... On peut faire un épisode de bref hein, comme ça franchement avec ce qui m'est arrivé. Vous avez de l'action tout. Je l'ai vu, ouais. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Mais... Il s'est accroupi, je me suis accroupi, il s'est allongé, je me suis allongé. Attends, c'est un mouton ça en plein milieu. Non, oh, c'est pas un mouton. Attends, sur la j'arrive, route. J'arrive. Sur la route là. Mais dis-moi où il est par attends, rapport j'arrive. À la route. Il est avant la route ou après la route? Non, attends, j'arrive parce qu'en fait, je peux pas dire. Il est devant moi. Tu vois le grand poteau électrique? Ouais. Il est juste à droite. À droite. En haut vers le... Attends, j'arrive. Je suis à côté. Mets ton GPS. Donne tes coordonnées. Je suis dessus. Tu me vois pas arriver vers la route, là? Non, je suis à côté du poteau électrique. Ah bah, moi, j'y suis. Attends, je crois que je le vois. Parce que c'est lui mort. Ouais, c'est bon. Il est là. Ah, GG. Vous voulez que je vienne le chercher? Il avait une Winchester là, je pense. Ouais. C'est ça, il avait Winchester? Ouais. Attends, je prends juste... Il a une grenade, il a M911. Il a pas des balles de 111? Ah, il y a 1900 aussi. Il y en a 3 là. Vous voulez que je vienne vous chercher? Vous voulez que je fasse quoi? T'en arrives. Water bottle. Attends, juste une seconde. S'il y a un 1911 là en bas. Il y a un chargeur de M107 sur lui. Ah, un chargeur de Stanag. J'ai trop de M107. Je vais m'en poser un et je vais prendre peut-être un... Putain, j'ai trop de bouffe et de... Bah, moi j'ai besoin de M107, donc si on se rejoint, j'ai beaucoup de Stanag, j'en ai une dizaine. Là. T'as une dizaine de Stanag? Ouais. Il y a un couteau, une horloge, ce jeu. Tiens, je vais prendre le chargeur de M107 sur moi, comme ça. Ouais, fais ça. Il a 6 bandages, hein. C'est un fou, quoi. Ouais. Putain, le mec, il était en plein milieu de la route, quoi. Si t'as fait un bandit tué, non? Ouais, j'ai même pas... J'ai plus le debug moniteur, des fois il bug, il est disparu. Ah bon? Merde. Il a une viande pas cuite, mais ça sert à rien. Vous êtes où là exactement? Position. Mec.
pump up this musical block and the shots go firing. No lying, man, I run this shit. Life a movie, man, I run my script. Similar to hustlers that run they strip. I shouldn't say similar, cause similar is equal. I ain't similar to niggas, they ain't nothing like this. I found a bottle with a note in there. It said the world broke and go repair it. But it seems that no one cares, so I threw the bottle in the ocean.